le starting block. Ça va bientôt démarrer. En tous les cas, on est ravis d'être avec vous. On fait ça pour vous. On fait ça pour le territoire. On fait ça pour la Seine-Maritime. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Les motos de tête qui arrivent, vous le voyez, sur la droite. On porte ce marathon en moins de 2h29. On peut l'applaudir très très fort, Guillaume Bruel. C'était une sortie longue comme je fais tous les dimanches, donc c'était cool là, Rouen. En plus je connaissais pas trop, donc ça m'a permis de découvrir un peu la ville. Et c'était super sympa, le parcours, l'ambiance, les organisateurs, tout était au top. Une belle surprise sur ce marathon. Ouais, super condition en plus, donc nickel. Puis on gagne par équipe en plus, donc j'ai jamais vu ça. On représente le département ouais, comme il faut. Voilà. Félicitations. Ah, à vous, bravo les gars. C'était sympa ce parcours. Ouais, super, ouais. Bien roulant et tout, donc impeccable. Je suis contente quand même, parce que c'est mon club ici, et voilà quoi, c'est le club à cœur, et merci à eux pour le soutenir, parce que ça, sans tout le monde, on ne peut pas faire comme ça quoi. Voilà, merci beaucoup à l'organisateur aussi, voilà. Beau parcours. Ah, le parcours c'était un peu dur quand même, hein, mais il y a quand même des relances à chaque fois, des virages, et les deux derniers kilomètres c'était dur. Voilà, c'est important d'arriver ensemble. Oui, c'est important, ça motive de courir à deux. Une bonne organisation, on remercie tous les bénévoles, c'était super bien, franchement. On visait pas le chrono, voilà, on a terminé, c'était super. Bonne ambiance tout le long, et on remercie tous les spectateurs qui nous ont applaudi tout le long.